Et bien salut à tous et à toutes, c'est Botrap. Et là, c'est une nouvelle vidéo sur Undertale AURPG. Aujourd'hui, nous allons combattre Asgore, enfin Six Soul Asgore. Vous allez voir, enfin, je sais pas si ils l'ont modifié, car dans mes souvenirs, il était hyper dur, il faisait très mal. C'est 3, 2, 1, c'est parti. Avec le Sanes Gun, attention, ça va faire mal aux oreilles, mais pas fait exprès, mais avant. Ah non, j'ai plus besoin, je suis con. Oui, on c'est parti. Oh non! Il a pas changé. Attends, il fait mal ou pas? Vas-y. Oh putain. Ah, les oreilles, mec. Ce bruit de gun gâche toute la musique. Oh putain. C'est trop mal. Je me rappelle, au bleu ciel il s'arrête. Enfin, on enfonce, c'est bon. Donc, on est PV, mec. Ça va tellement. Il est tellement épique ce combat. Il y a juste le Stannis Gun et tout gâche tout. Vous savez quoi? Le combat épique. Il m'a touché. Pardon? S'arrêter. Oh, j'ai fait mon point. Elle se gagne un peu. Très bien. C'est trop mal, putain. Oh, je vais mourir. J'ai oublié de manger un truc. Des spaghettis de papyrus. On prend nos distances. Ça fait trop mal, mon gars. Il est épique ce combat. Bon, dans le vrai fan game, ce jeu est trop dur. Enfin, ce boss est trop dur. Le vrai PV, je vois pas. Putain, à chaque fois. Il est encore à ça, mec. Putain, mais je vais pas faire le Sanes Gun, car ça gâche tout le combat. La musique et tout, mec. Ça gâche tout. Tac, prends ça. Je sais qu'il y a une technique pour le battre, mais sauf qu'il faut être au corps à corps. Et mon arme au corps à corps est pas ouf. Du coup, je veux que ça soit le trident. Combien de temps ça va? Allez, c'est Sanes Gun. Attention aux oreilles. Rien. On s'y prend, vas-y, il va mourir. Et je le finis au. Allez, au couteau. Comment est-il? Crève. Ok. Ok, la première. Elle est crève, putain. Le couteau. Touché. Coupe de coups. C'est un coup. C'est fini. Putain, il m'a presque donné 100 levels. C'est facile. En vrai, mec, il fait mal. Il fait trop mal. Du coup, inventaire, j'ai ça sous le trident. Yeah, j'adore cette arme. 3000, regardez-moi, c'est tellement stylé cette arme. Sanes Gun,
Merde. Et le œil de sens. Oh. Là, c'est parti, mon gars. Le prochain serait qui? Bah attends, je crois que le prochain c'est Lord Isgaster. On va voir. Si c'est Lord Isgaster, je pète un câble. Parce qu'il va faire mal. Tac, salut. C'est fait. Omega Rayboy, ok. Un mec à Omega Flowey. C'est Lord Isgaster. Oh non, c'est le prochain. Oh non, c'est vraiment lui le prochain. Oh, fait chier, il va faire trop mal. C'est-à-dire c'est vraiment celui qui est au-dessus de Inco Sans et Horror Sans. Ouais, toi, je te fais Trudeau en cross. Timer? Ouais. Bon bah, c'est parti pour refaire Asgore avec la pierre arme du jeu. Mais je crois que c'est fini, hein. Je crois qu'il n'y a plus d'autres boss secrets qui me restent à faire. Enfin non, mais est-ce qu'il y a un boss secret entre Lord, enfin Lord Isgaster et Sixsoul Asgore? Peut-être la phase 3 et 4 de Papyrus Disbelief. Enfin non, de Disbelief Papyrus. Ah non, c'est ce que je crois que c'est level 2000 ou 3000. Enfin non, 2500 ou 3000. Bon, tant pis, ce boss est génial. Et est-ce que ça marche? Vas-y, on y va, on profite. On reste à gauche de son bras. C'est pas certain, mais ça me touche. Ah bah oui, parce qu'il y a ses boules de feu, c'est plus gros. On crève. Que je combats que au trident. Ah! Ah, putain, ça va être bon par contre. J'ai rien dit. Oh putain, mais spaghetti de papyrus! J'ai jamais dû manger. Mais allez. Sniper. Sniper. C'est bon,
complètement malade. Après, je pourrais faire un autre match. Technique avec le laser du Dota 1 et du Dota 2, c'est bien. Mettre un laser et tourner avec lui pour le faire. Et du coup, du laser plusieurs fois. Mais bon, 5000, non? Et puis, 5000, et du coup, bah, c'est mieux que le laser. Et bon, là, pourtant, je sais. Ah, il a fait une tour. Adieu. Putain, oh, j'ai presque assez. Mais mec, mais tout l'XP, c'est incroyable. Presque. Oh non. Oh, mais dès que j'aurai battu leur Isgaster, ça passera à lui. Le Trabash Rush, le mec, j'ai moins. Oh, il y a un truc à 3000. C'est quoi l'autre monde? Ah oui, c'est pour les Battle Points. Ça, c'est quoi les guns? Je veux trop savoir, ça marche pas les guns. Ah bah, du coup, sous le salon, on est reparti. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a des boss secrets que j'ai oublié? Bah oui, la tête de ouf de double géant de Roblox, mais elle est où? Est-ce qu'elle a la salle à changer? Bah ouais, est-ce qu'elle a la salle à changer, donc c'est où? Bah ouais. La salle à changer, donc c'est où la tête de double géant là? Elle veut frôler les murs. Ça. Est-ce qu'il y a des secrets encore? Bon, tant pis. Je vais pas me voir un truc. Là, ça fait bien 5000, on est d'accord. Je vais mettre la place sous le trident. Non. Ouais, 5000. Je tourne avec et il se prend soit 10 000, soit 5 000, soit 15 000. Du coup, on va tenter. Mais je promets rien. Ce mec fait trop mal. Tour 1, 2, 1. Mais c'est beaucoup plus efficace. 1, 2, 1, 2. Mais c'est trop bien. 1, 2, 1, 2. Il y a moyen de faire 3 fois ça, mais c'est trop bien. Oh non, trop loin. Il s'est arrêté devant. Oh non, live. 1, même pas 2. 1. Ah, je sais pas. C'est bon. Ah non, putain, mais c'est bon par contre. Non, en fait, on va rester au gun. Ah non, méchant. Ah, j'ai encore. Oh, les spaghettis. Vous savez quoi, j'ai faim. Tac. C'est 5000 de jump boost. Wouhou! En plus, ça m'a pris. J'en ai marre de jouer. Le trident, c'est hyper grand. La première CV. Attends, je crois que je suis même pas la moitié. Ah, c'est fini. C'est rien. Ta gueule. Je bouais, j'en peux plus, mec. J'en ai marre, j'ai une flingue. Oui, tuez-moi. Putain, j'ai fait. Allez, go. Oh merde, je vais essayer de toucher, go. Meurs.
gueule. Ta gueule. C'est boum. Il y a un menu à droite, il y a un truc. Je déteste si c'est possible de retirer les bruits effects. Moi, ça me retirera ce boom de merde. Le bruit a bugué dans le menu. Maintenant, il n'y a rien. Oh non, mais je dois le refaire. Non. Bon, allez, je le fais bien sûr. Je vais vous épargner vos oreilles, quand même, j'en peux plus. Hey, mais j'ai ce bruit dans la tête. J'ai boum, boum dans la tête, j'en peux plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Undertale RPG vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire après la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. La prochaine fois, on ira combattre le grand Lord Isgaster. Enfin, j'irai combattre le grand Lord Isgaster. Et dans mes souvenirs, il est très chaud à battre. Bon, allez, bye bye. Et je vous dis, enfin, non, bah en l'air. Non, je veux dire, parce que. Ah oui. Abonnez-vous, sinon.